les échoppes fermées, les maroquineries, les boutiques d'horlogers, les magasins fermés avec leurs détergents, leurs déodorants, leurs produits de beauté, leurs reproductions de tableaux. Le grand hall de verre fermé lui aussi avec ses jambes de bois et ses bras à articulation électrique. Sur la place centrale ne circulaient plus que les statues et un fiacre. Le profond soupir de la bibliothèque noyée s'étendait là-bas jusque vers les petites bijouteries du Ponte Vecchio. Clouée dans les ocres du passé, la ville allumait ses candélabres pour les inventeurs. Et les masses vertes des ombres venaient se répartir avec justesse dans un paysage somnambulesque de Giorgio de Chirico.